Alors, qu'est-ce qu'on va casser? Ouais, faut que je coupe le son du stream. Voilà, normalement ça marche maintenant. Putain! Alors, oui, c'est mignon, Nis-Nis. Allez, joue. That was an error. Well played. Ah, le trolling, c'est bon. Qu'est-ce que je ferais si je pouvais pas troller? Allez, passe ton tour. I can take the hit. Bon, y'a personne pour défier un joueur correct, pour défier mon guerrier fatigue. Enfin, mon guerrier fatigue, c'est pas le... C'est deux guerriers différents. Alors, c'est quoi cette merde? Ok... Allez, joue, Nis-Nis, c'est fini, bon dieu de merde. J'ai presque... j'arrive... Well played. Oui, well played. Well played. Well played. Allez, putain, arrête de dire well played et joue. Behold the might of Stormwind. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Si vous voulez m'affronter, faut venir avec des vrais decks, hein. Sinon, je vais jouer en ladder contre des vrais joueurs, hein. Sans déconner, quoi. Magic will tear you apart. I will crush you. Bon, je vais atteindre combien d'armure, hein? Whoops, whoops, whoops. Bon, attends, tu fermes ta gueule, voilà. I bring life. Oh, c'est mignon, Alexstrasza. Alors, est-ce que je peux battre Alexstrasza à ce tour-ci? 7 et 8, oui, oui, mais oui. Regarde, Nis-Nis. Alors Alexstrasza, ça sert assez bien quand on a un mage glace, un mage givre, c'est-à-dire que avant de faire ton gros combo, tu mets le mec à 15, tu vois. Parce que là, bon, Alexstrasza, face à un guerrier fatigue, c'est de la merde, quoi. Tes boules de feu, c'est de la merde. T'es en train de faire fondre la peinture de mon guerrier, là. Oh, un secret, c'est mignon. C'est mignon, un petit secret. Death does not scare me. Bah, on va continuer à spam de l'armure, hein.
Oh putain! Vaporize! Ça fait combien de temps que j'ai pas vu ce deck, ce secret? Oh mon dieu! Non mais tu dépasses même pas la division 20 avec ce genre de ce deck pourri quoi. Eh ouais, le battle cry ne s'active pas quand la carte vient directement depuis le deck sans passer par ta main. Alors, comment je vais me débarrasser de ça? Facile. GG. Docteur Unbalanced, la carte la moins balancée d'Hearthstone. Ah putain, j'adore cette carte, elle est dans tous mes decks. Je ne peux pas jouer sans. Elle peut retourner une situation totalement quoi. C'est genre 15, 16, 16, 4 et 4. Ouais, c'est ça, c'est 14 de dégâts potentiels sur la table en étant vraiment optimiste et un peu châteux, beaucoup châteux. I wonder. Allez, Nice. Ah, excellent. Ah, y a déjà plus de cartes. Putain. Bon, on va troller, hein. Drink with me, friend. Oh merde, le misplay! Allez, mange! Oh, ce misplay, j'aurais dû taper d'abord avec Boom dedans et après le remonter. Comme ça, je me serais débarrassé d'Harrison Jones et j'aurais pu reposer Boom en fait. Ça aurait été de la putain bonne value. C'est bon, Nice, courage! Ah, Doomsayer, excellent! Et le pire, c'est que ça va passer, quoi. Allez, on prend des dégâts de fatigue. Mange! Je vais baisser un petit peu le son du jeu. Oui, Nice, ton deck, ton deck c'est de la merde. C'est pour ça que tu perds, tu vois. Je m'attendais à mieux de ta part. Pourtant, j'ai très bien joué, hein. C'est un guerrier fatigue, hein. Et voilà. Gotcha. Suivant. Et des putains de vrais joueurs, si possible.
cri de guerre. Bon Dieu, j'ai mon casque qui tombe en morceaux. Cet enculé, je l'ai pété dans l'avion en revenant de France. Quelle saloperie, quoi. Quel cri de guerre. C'est du direct. Bon sans... Dieu, j'ai mon casque qui tombe en morceaux. Cet enculé, je l'ai pété dans l'avion en revenant de France. Quelle saloperie, quoi. Quel cri de guerre. Alors, quelqu'un veut jouer? Qui veut me défier? C'est du direct. Bon sans... Dieu, j'ai mon casque. Oh, mais j'ai eu un pack. Cet enculé, je l'ai pété dans l'avion en revenant de France. Quelle saloperie, quoi. Voilà, de la merde, très bien. Allez, qui veut faire une petite game? Je suis là, je suis dispo. M'obligez pas à aller faire du putain de ladder, je vais rager comme une merde sur le ladder. D'armure, c'est rien d'exceptionnel avec un guerrier. Hein. Des fois, je monte à 40-50 d'armure face à des prêtres qui sont fatigués comme moi. Sauf qu'ils me laissent me bâtir mon armure, ce qui fait que je monte à des sommets. Plus la game dure, plus il faut rentabiliser l'armure en fait. Demandez à Rico, à ce fils de pute. Rico, viens faire une game. Rico, viens faire une game. Viens, viens me souiller. Ah putain. Forcément, il joue à WoW, quoi. Alors, il n'y a personne dans mes putains d'abonnés qui a Hearthstone et qui est pas trop mauvais. Des joueurs quoi, merde. Bon bah je vais aller sur le ladder et là vous allez me voir rager pour de vrai. Je vais justement essayer ce guerrier. On va essayer de grimper. Donc on est en début de mois. C'est plutôt hardcore en ce moment. Hier je suis monté division 15 et après j'ai eu que des paladins aggro, je suis devenu fou. Je suis retombé division 18. Et là je suis en train de remonter avec un nouveau petit deck guerrier. Que j'ai un deck sur internet, que j'ai traficoté d'internet. Et qui m'a l'air plutôt pas mal du tout, même contre les paladins aggro et compagnie. Donc il y a beaucoup de paladins aggro secrets avec le Mysterious Challenger pour ceux qui suivent. Hein. Cette putain de carte cheatée qui fait popper tous les secrets de votre deck en même temps. Oh, guerrier contre guerrier. Ça sent deux guerriers fatigue qui vont se mettre sur la gueule. Je suis pas trop fan, mais on va voir ce que ça va donner. Ok, c'est pas trop mal pour un début. Ok, Revan, dans la foulée. Haha, Rommler, putain, ce bon vieux Romain. Allez, la fabricante d'armure. C'est Romain, ou j'en sais rien, je m'en fous. Alors, qu'est-ce que ça joue? Ok, bon bah. Hein. Strike. Death does not scare me. Alors, c'est un deck, c'est un guerrier fatigue.
C'est un guerrier fatigue pioche, hein. C'est un... Comment ça s'appelle, hein. Ah putain. C'est un nom, les decks pioches, j'ai oublié. Là, voilà, je pense qu'il va simplement... Hop, donne-moi de l'armure. Il va l'exécute, voilà. Et là, il va avoir une carte gratuite. J'espère que c'est pas une, un monstre. Ça va, c'est même... C'est génial. Donc je vais me débarrasser de ça immédiatement. 4-2, on va faire ça comme ça. Hop. Ah non, je vais la tuer. Ah, c'est un misplay. C'est pas grave. Ah non, 3-3, non c'est bon. Voilà. Non, c'est un bon play en fait. Lesquels de commun? Bon, il faut que je joue aussi. C'est mieux quand je suis concentré. Alors, il a déjà pioché deux cartes de plus. C'est très bien, vu que je lui ai bouffé une carte gratuite. Et une bonne carte, hein, qui permet d'être un booster pour Grommage et compagnie, donc c'est une bonne affaire. Bon, d'ailleurs, là, il sort le paquet, à ce que je vois. Oh, mais c'est parfait. Ah, putain, merde, j'aurais bien mieux optimisé ça. On va faire ça. Hop. Hop. Et on va générer un peu d'armure. Voilà. Excusez-moi, je dois aller casser la gueule à un Nice menteur. Ah, il est tunisien, donc forcément il est menteur, hein. Pardon. Ouh, Sylvanas. Alors ça, c'est intéressant. Docteur GG. Alors, j'ai la réponse à ça, je pense. Hop. Voilà. Je suis en train de répondre, je vois pas où tombent les boombots. Ok, c'est pas bon ça, je suis dans la merde là. Je suis vraiment dans la merde en fait. J'ai aucun clean. J'ai ni mes slams. Oh là là, c'est catastrophique. Putain. 9-9, je peux me débarrasser de Dr GG. Oh là là, ça va me coûter cher ça, putain. Ouf! Bon, il y a Docteur Boom en moins, mais je viens de taper pleine face là. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. C'est con que j'ai pas eu mes exécutions et mes slams. Ça, j'aurais pu clean le board assez facilement. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Oh là, la Deathbite. Ouf! Alors il peut faire Death Bite Execute. Et c'est sûrement ce qu'il va faire. Il a plus qu'à 7 PV. Ah non, il va faire ça, ça marche aussi très bien. Bon. Étonnamment, ma chance c'est qu'il a pris énormément de dégâts. Moi aussi. Mais ces cartes elles coûtent plus rien maintenant là. Ah mais putain, mais non, mais fils de pute va. Putain, et je reprends 5 de dégâts, ça fait vraiment mal au cul. Boum.
Il me faut plus de cartes. Voilà. On va faire avec. Oh là là, Izera. Bon, je peux lui clean Izera. J'ai des cleans qui sont arrivés. Mais moi, je voudrais bien que mes grosses cartes sortent maintenant. Parce que là, je suis un peu dans la merde, en fait. Ah, ça, par contre, c'est bien. Ok, on y va. On lui exécute. Je pose mon Crash Vase, mon Sludge Batcher. J'ai le jeu en anglais, alors parfois, je connais pas trop bien les noms français. Mais vu que je regarde pas mal de streams en français, bon, j'ai... Normalement je maîtrise un peu, donc là il va me one-shot mon sludge avec sa hache. Le problème c'est qu'il va sûrement s'exécuter aussi son petit bonhomme. Ah non, shit slam, ça marche aussi. Et en plus ça lui coûte 0 grâce à l'empereur Torisan. Oh là 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 là, GG. Alors je vais pouvoir l'exécute, mais je vais quand même prendre 14. Oh là là, oh ça va faire mal. Oh ça va faire mal. Ouh, boum. Bon, je tombe à 8 PV, je suis dans la merde. J'ai plus de cartes. Je me suis fait contrôler par le guerrier contrôle. Chose qui arrive. Et en plus, c'est moi qui suis censé le meuler. Et c'est moi qui me fais meuler. Je me suis bien fait baiser. Behold the armies of Stormwind. Bon bah, GG hein. Je me suis bien fait violer comme une merde. Well played. Well played. Et on va quitter. On concède. Well. J'ai même pas ragé parce que là, mon deck n'a pas fait le poids. Je me suis fait manger. C'est le problème d'affronter un autre guerrier. Bon. Qui veut jouer contre moi? Alors. Ouh, division 13. Comment je vais me faire ravager? Division 13, il a pas chômé hein, cet enfoiré. J'espère qu'il est pas en train de stream hack. Oh, c'est sale ça, des araignées. J'ai horreur de ces bêtes là. Bizarre là, les araignées avec un druide. Hein. On va voir. On va voir. Oh putain! C'est quoi toute cette fils de puterie là?
Oh, mais c'est quoi ce deck de fils de pute? Oh non! Oh non! Oh! Oh mais putain, je voudrais bien jouer contre des vrais decks, pas des trucs d'enculés quoi. Bon, bah on va continuer à piocher de la carte hein. Et forcément, j'ai pas mes cartes qui vont bien pour m'occuper de ce genre de deck de fils de pute. Je suis bien baisé, tiens. Heureusement, il me fait que 1 de dégâts. Donc il peut continuer à taper longtemps comme ça. Pas vraiment non. Et ouais, voilà. Non. Oh. J'avoue ne pas comprendre l'intérêt de jouer ce genre de choses, mais bon. Il y a des gens qui ont du plaisir avec des choses que j'ai un peu de mal à comprendre parfois. Ouais, bon bah, je suis baisé, hein. Allez, GG, hop, hop, j'en ai eu assez, GG, beau deck de fils de pute. Ok, Revan. Malheureusement, attends, hop. Voilà. Si vous jouez, moi vous venez avec un vrai deck, hein. J'ai envie de m'amuser, quoi, merde. Pas des decks de fils de pute où le but est de se débarrasser de moi en 3 tours, hein. Faut jouer, merde. Un peu de spectacle, quoi. Alors, bien sûr que je rage. J'ai horreur des fils de pute qui jouent aggro. Sachant que les gens deviennent jamais pros, quel est l'intérêt de faire des games extrêmement rapides pour finir le plus vite possible? Sachant que tu passeras pas pro de toute façon, donc autant faire des games sympas, longues, qui on s'amuse bien. Enfin, c'est plus intéressant que de rush des decks et puis vomir ses mains. Parce que c'est vraiment du no-brain ce qu'il a fait avant. Hein. Il a acheté toutes ses cartes le plus vite possible et puis bah ça passe parce que j'ai pas de baston. Mais si j'ai une double baston, bah il a plus rien quoi. Hein. J'avoue ne pas voir l'intérêt sur ce genre de game. Alors, ah merde, je me suis trompé. Greetings.
Bon bah, arme hop, hein. Ah. Ah putain de casque. À la con. Le machin il tient qu'avec un morceau quoi. Un secret qui coûte 3. Putain, je connais pas le... Cet enculé, allez hop. Ok, c'est pas un contre-sort. Putain, mais c'est quoi ce tirage de fils de pute? Bah non, c'est parfait. Ah ouais, désolé, j'aime pas les decks aggro. Alors, comment est-ce que je vais jouer ça? Qu'est-ce que c'est que ce vieux bug à la con? I'll show them. I'll show them all. My shield for Argus. Ok. J'ai surtout eu beaucoup de chats que ce soit un dupliqué. Ah putain, c'est un putain de deck avec qui copie tout là. Ah là 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 là. Ce spam. Le problème c'est que pour l'instant on... Oh docteur Boom. Oh là là, ça fait beaucoup de monde là. J'oserais même dire que je suis dans la merde complètement. On va essayer de nettoyer Boom déjà. Voilà, ensuite on va faire ça. Oh les deux Boombots putain. Ouh. Oh moins 3, moins 4, espèce de château de merde, va. Ah, garde ton sorry, t'es content là, tu te pavanes le corps nu derrière ton PC. Enfoiré, va. Bah.
Oh, Izera. Bon, je suis vraiment dans la merde. Ça serait bien si je pouvais avoir un tourbillon ou un truc comme ça. Ok, j'ai trouvé. Ça coûte cher, mais ça va marcher. Le problème, c'est que je fais un tour vide. Et que lui, est en... ouais, 14... Ouais, il mange plus de cartes que moi, mais putain, je lui fais pas de dégâts, cet enculé, là. Si justement, je pouvais avoir un tour de répit pour souffler. Ok, allez. Pas trop de chat, pas trop de chat, pas trop de chat. Oh, deux portails instables. Oh là là, les portails instables. Les putains de joueurs qui jouent aléatoire. En espérant que ça passe. Ok. Bon, je suis quand même bien dans la merde, là. Brawl ! Allez, hop, un peu de chance. Un peu de chance ! Oh non ! Et en plus, il a de la chatte, quoi. Putain, il avait que 33% de chance de récupérer sa pute de Sylvanas, là. Blizzard fait mentir les maths, c'est extrêmement agaçant. Oh là 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 là, ce que je prends. Bon, là, par contre, là, je suis vraiment dans la merde. Bon. Bah, GG, hein. Là, well play. Je veux une revanche. I want rematch. Je vais changer de deck. Garrosh versus Jaina. You asked for it. Victory or death. Ok, j'ai vu à peu près son deck. Alors, c'est parti. Oh là là, les secrets. J'ai pas de Kezan mystique dans ce deck. Bon, on va voir. On va peut-être... Hop. Oh putain. Donc c'est pas... oui, c'est pas un deck copy. C'est... Donc j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait... Ouais. Il va falloir que je fasse attention à ce que, lui... à ce que je lui tue à cet enfoiré là.
5. Putain, c'est pas facile de réfléchir quand on stream. Plus difficile. Alors, comment je vais me débarrasser de ça? Ah putain, ça fait du 2-6. Mais il n'y a pas de dragon pour l'instant. 3. Oups. Oh, ce fail. Oh, c'est un dommage, c'est pas d'autre dommage. Oh, cette erreur. Oh, ce misplay. Ah, là, j'ai honte, tiens. Oh, c'est pas top, hein. Sorry that happened. Bon, il y a plus de cartes que moi, il a encore un dragon qu'il a dupliqué tout à l'heure. Je suis dans la merde. Je bouffe beaucoup trop de cartes contre lui en fait. Il va falloir que je le tempo. Ah, ça y est, il a un dragon, c'est tant qu'il est. Ouh, ok. Ça commence à faire beaucoup tout ça. Ouh, j'ai un shield slam. Ça, c'est intéressant. Allez. Ah, putain, non, je vais garder... Je vais économiser. Ok. Pourquoi pas. Ouh, ça fait mal. Ouh, l'éclair de givre. Ouch. Alors ça par contre, ça me fait vraiment chier. Ok. Va falloir que je tempo. Le canon lance-flamme là, il fait bien mal, hein. Un tour complet avec la justicière, 10 de cristaux, vous utilisez votre propre à votre pouvoir, et quand vous allez la mettre, ça va réactiver le pouvoir. Donc vous faites 6 d'armure, et en plus vous posez la carte sur le... C'est vraiment un excellent tour quand vous arrivez à le passer. Mais malheureusement, c'est pas tout le temps que ça passe, quoi. Ah, l'enfoiré. Ouais.
de dégâts de moins. De toute façon, je vais la perdre, la carte. Alors allons-y. Hop. Allez, entité miroir. Yes! Ça me va, ça. Ah non. Oups. My magic will tear you apart. Sorry. Sorry that happened. What we do? Bon, contrairement à tout à l'heure, vu que j'ai pas le même deck guerrier, j'ai changé. J'ai un deck plus agressif en early. Et ça se ressent, je pense. Surtout que j'ai eu aucune baston ni rien. Flamen Strife. Bah alors c'est pas gentil de taper ton propre portail. Qu'est-ce que tu veux faire avec? 5. Au final, dans un sens, ça m'arrange. Hop. Mais mon plaisir. Ouh. Un secret, ok. Comment je vais gérer ça? 3, 5, ok. Vraiment, ça va pas être trop dur à gérer, je pense. On va changer l'arme. Voilà, duplique-le. Voilà. Il a plus que 9 cartes dans son deck, j'en ai 10. Et il en a 7 en main, dont 2 dragons. Donc là, il va sûrement poser ses dragons. Ce que je ferai. Oh, boule de feu. Fireball. Fireball sort, il va faire popper une carte de son deck, ce qui est très bien pour moi, et en plus il me feed en armure, ce qui me plaît encore plus. Ah, pas mal. Ouh, là ça fait 2 dragons. Bon bah on va s'en débarrasser d'un déjà. Hop là. Et on va continuer le feed en armure. Voilà. Putain, si seulement j'avais mes bastons, mais ça veut pas sortir ces merdes là. Ouh, alors là il est en train de bouffer dans son deck. Plus que 5 cartes, ça m'arrange, 5, 9. Faut que je temporise jusqu'à 3, donc ça je peux lui prendre tour d'après. Et au passage il me donne de l'armure, ce qui est génial. Il a le dragon, oui. Et là, je suis dans la merde. Ouh. Ouh, alors ça m'arrange. Ah, par contre je prends 5 de dégâts, mais je vais pouvoir aller... Enfin il va me faire 10 en tout de dégâts, mais je vais pouvoir aller snipe. Si je peux avoir une baston maintenant, une baston. J'ai 2 bastons dans mon deck, elles sortent pas, c'est juste tellement injuste quoi. Je demande pas la vierge pourtant. Hein. Allez. Une baston, putain. Bon, si j'ai pas de baston, je peux toujours deal avec le Blackwing Corrupteur, upload, mettre mon armure. Oh, shit slam, encore mieux. Encore mieux. Donc c'est parti.
3 cartes, j'en ai 7. Faut que je tienne. Ah! Ouh, alors ça me plaît. Death does not scare me. Il a plus que 2 cartes. Là, il va en avoir une gratuite sur le board. Ouh, ça c'est pas de bol, vu que le Battle Cry ne s'active pas. Il me faut une baston. Il me faut une baston. Oh, Sylvanas, putain! Ouh, alors ça, je prends. Ça y est, il a plus de cartes. Moi, il m'en reste 5. Par contre, là, il peut me mettre potentiellement beaucoup de dégâts. Il en perd une. Il a 9 de dégâts sur le panier. 9, sachant que je peux m'en mettre 5. 9 par... Oh, Isera! Oh là là, je peux pas la gérer, ça! Il me faut une baston. Il me faut une baston maintenant. Sinon, je suis vraiment dans la merde. Baston, baston! Non, mais je veux pas Docteur Boom, putain! Fuck! Bon bah, on va continuer, hein. Bon, il commence à prendre du dégât. La fin va être sympa. Ça fait mal. Et en plus, il a Isera qui le feed en carte. Et je peux pour l'instant pas me débarrasser d'Isera, malheureusement. Putain, qu'est-ce que je... Oh mais non, mais c'est... Putain, j'ai pas les bonnes cartes là. Bon bah j'ai pas le choix. Alors s'il gère, il peut me prendre Docteur Boom. Ce qui n'est pas une catastrophe, vu que je peux gérer Docteur Boom. Et je peux aussi gérer Isera. Et là il va commencer à prendre beaucoup de dégâts en fait. Et j'ai encore 3 cartes en main. Le problème c'est qu'il a déjà eu 2 cartes gratuites avec Isera. Et ces 2 cartes gratuites peuvent faire tellement mal. Allez, il me faut de la chatte sur les boombots. Cette fin de game est chouette. Ah putain, il me faut une baston mais j'ai... Pourquoi mes bastons ne sortent pas? Je crois que j'en ai 2 dans le deck, quoi. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors là, j'ai pas compris pourquoi il a pas essayé de chercher à prendre... Ok, bon bah, pourquoi pas, hein. Oh mais non, mais ça sort toujours pas, putain. Pendant ce temps-là, sa vie, elle baisse. Il est tombé à 15. Faut que je sois patient, putain. Sachant que je peux heal plus que... Je peux heal... Oh là là, Docteur Boom. Ok, je peux gérer Boom. Je peux gérer le Boom. Je peux gérer le Docteur Boom. Et en plus, il me donne de l'armure. Vas-y, file-moi.
Voilà, c'est pas trop mal, 2 d'armure. Et là normalement j'ai une baston. Non, j'ai pas de baston, j'y crois pas, c'est la dernière carte. Bon, il a plus que 5 cartes. Il a déjà utilisé une de ses cartes d'Isera. Oh là là, cette fin de partie. J'ai pas vu ce qu'on fait les bombes. 12. Oh putain. Ah, il avait encore le coin. Excellent. Ouh. Oh non, putain. Mais non, justement. J'ai dû oublier de mettre la baston. What now? Celui-là, je m'en fous. Par contre, ce serait bien. Bon, normalement, est-ce que j'ai fait le plus dur? Je pense que ouais. GG. Oui! Wouh! Bon, alors, est-ce que mon affreux aggro de tout à l'heure est là? Alors Revan, je croyais que je l'avais ma deuxième baston, mais visiblement non. Et je ne sais pas pourquoi. Oh non, Nice, c'est bon, j'ai donné avec ton deck de débile là. Hein. Non merci, hein. T'as rien dans ton deck, mec. Il faut des bonnes cartes pour réussir à jouer un peu correctement, quoi. Hein. Ou un prêtre. Voilà qui fait pas mes affaires du tout. Why do you call? I greet you.
someone injured? Voilà un bon tirage de merde. Putain. Do you like to play with fire? As you come out. I can. The light shall burn you. Thank you. Alors ça me plaît, parce que moi je fais pas de tour vide. Au contraire. Bon, normalement il va utiliser son machin pour détruire une carte à 3. Ouh, il peut pas. Oh, c'est bizarre ça, qu'est-ce qu'il va jouer? Ouh, le sludge. Grosse carte, comment je vais gérer ça? Eh ben, je ne peux pas le gérer pour l'instant. On va tapoter. Bon, normalement, il heal de 2, il montre à 4, et je peux pas le tuer. C'est le problème. Ah non, bon, ok. Oh, nice! Je la connaissais même pas celle-là. Sympa. Excellent. Nice, t'es le PD dans le... Oh mon dieu. Tous ces langages. Ce langage violent. Oh putain, ça c'est du clean quoi. Oh putain, en plus je top deck. Ah. Bon, j'ai toujours peur des prêtres. Ils ont le don de tout contrôler magnifiquement. Et en plus, ils copient des cartes. C'est pour ça que je joue pas cette classe de fils de pute. Parce que ça copie des cartes. Genre, ils ont... Voilà, voilà. Putain, j'ai qu'à demander, il le fait. À croire qu'il écoute le stream, l'enfoiré. Mal dans le petit enculé là. Un 9 vite. Alors j'ai deux healbots dans ce deck parce que je suce beaucoup et en plus je récupère de la vie avec ma maîtresse sadomaso là qui me refourgue de la vie si j'arrive à bien l'optimiser. Ce que j'ai fait là, j'ai réussi quand même à piocher deux cartes et à remonter ma vie deux fois. Donc c'est quand même deux cartes quasiment gratuites que j'ai eu hein. À part pour le coup sur la curve de mana, mais bon c'est pas... Ouh là là, là je vais prendre cher, prêtresse d'Oshonai. Allez, le heal, boum. Cercle de soins. Boum. Ça fait le ménage, et en plus il me chope
stand ready. Oh, ça c'est intéressant. Plus 2 de vie, petit enfoiré. Ça fait... Putain, il me faudrait un petit peu de chance. Non, il faut d'abord... Putain, comment je vais jouer ça? Faut alors j'envoie la sauce. J'enlève 3. Ouais, allez hop. Ah, j'ai pas eu de bol là, putain, dommage. Bon, tout à l'heure j'ai eu du bol donc. That was a mistake. Alors là, je sens venir la. Ça va faire mal. Voilà, deuxième prêtresse de Shenai. Il est pas malheureux. Et là, je suis dans la merde. Oh là là, choix de Vélène, putain. 5-9 quoi. Comment est-ce que je deal ça, sans déconner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Bon bah. Bon. Me voilà bien dans la merde. Sa putain de prêtresse de Shenai boostée avec le Vélène Chosen. Je sais pas comment ça se traduit en français. Le choix de Vélène. L'élu de Vélène. Chosen. Choisi. Bon. Ah, ça c'est bizarre. Ah ouais d'accord, il va détruire ma 2, hein. Ce qui me va plutôt bien. Ouch. Oh l'enculé. Voilà, il copie mes cartes cheatées. Voilà qui me fait bien vomir. Mais bon. Alors. Là j'ai moyen de tout clean en fait. Ou alors j'y vais full face avec Mal'Ganis. 3. Je vais faire ça, hop. Ok. C'est pas un mauvais tirage. On va voir ce qu'il a en réserve. Bon, par contre, mes cartes... Oh là là, j'ai bouffé, j'ai plus que... Ouais, il faut vraiment pas qu'on aille trop à la fatigue. Sinon, qu'est-ce que je vais déguster? Oh, le Black Knight. On le voit pas souvent, le Black Knight. Ouh, oh, mais j'ai ça. Ah ouais, mais ce deck, oh, je l'avais pas fini. C'est pas mon vrai deck... mon vrai deck original, malheureusement. Bon, je prends le risque qu'il ait pas de contrôle mental. S'il a un contrôle mental, j'ai perdu. Contrôle mental ? Contrôle mental ? Oh, Docteur GG, pas de contrôle mental. Ok, bah je vais continuer à pousser, hein. Alors. Je vais y aller full face. Ok, je crois que j'ai gagné. 14, 14, 14 plus 5, 19, well play. Well. Ouh, ce burst. Bon, je lui dois bien une revanche.
switcher un peu, hein. Genius, ok. Ok, ok, ok. Je vais faire du old school. J'espère que tu stream hack pas, enfoiré. Oh putain, un paladin contre paladin. J'espère que c'est pas un de ces affreux paladins secrets dont j'ai horreur. Oh putain, pas mal, pas mal. Je vais pas me plaindre. Well met. Well met. Alors. Oh là là, et voilà. Les duels entre paladins qui commencent. Putain, ce que j'ai horreur de ça. Salut copain. Hop là. Ouh, ce duel au sommet. Alors ça par contre, ça me dérange pas du tout. Trader le lanceur de couteau, c'est pas une mauvaise chose. Ah bah voilà. Quelle surprise. Ah malheureusement j'ai un tour un peu mou. Bon bah. Allez, viens copain, viens me taper dedans. Fais-moi mal. La douleur est une source de plaisir. Oh, un zombie Shao. Ok, pourquoi pas. Visiblement, c'est un paladin, un petit paladin contrôle. Pourquoi pas. Cinq. Est-ce que je prends le risque qu'il est l'entraîneur ou pas? Non. Ah putain, ça me fait chier quand même. Ah, il a plus que 4 cartes, allez. Et au passage, bah il y a le crash. Il y a le... Hein? Je récupère 5 de vie, c'est cadeau. Alors j'ai quand même... Oh, il va me refaire son combo dégueulasse. Non. Ah non. C'est bon. Rien de... exceptionnel. Non, il me le fait. Ah si, il me le fait. Va te faire foutre, pauvre merde. Va, chatteux. Ah là là, mais qu'est-ce que vous pouvez faire contre autant de chattes, quoi. C'est dégoûtant d'être chatteux comme ça. Hein. Putain, deux régiments de bataille et deux lanceurs de couteaux, quoi. Sans déconner. Enculé. Et là il va me jouer son espèce de machin dégueu. Ah j'aurais peut-être dû jouer. Oh putain. Ça va faire mal. Heureusement il a pas eu son entraîneur des recrues là. Je sais pas trop c'est quoi le nom en français. Je m'en sors pas trop mal sur ça. Et voilà le couteau qui tombe pas trop mal. Boum. Bon. 7. Putain. Quel enfoiré. Et maintenant, s'il y a l'entraîneur, je pense 3, 6, 9, 12, 12, 15, 15. Il me descend à 6 PV. Donc, techniquement, il a presque gagné s'il a l'entraîneur. Mais il ne l'a pas. Et il va devoir y aller pleine face dans mon docteur GG. Voilà. Oh putain. Ça lui coûte cher ça. Oh, il a la consécration.
Voilà. Well play, well play. Même si je sais pas pourquoi il a claqué ses régiments de bataille aussi facilement. Voilà, boum. Parfait. Bon, il est temps de reprendre le contrôle du board. J'ai un paladin contrôle, donc c'est parti. 8, 8, 8, 8. Bon bah, hop. Loteb. Oh, une autre championne, mais putain! Il est gâté, hein! Bon, il prend du dégât en venant s'empaler sur mes grosses cartes, ce qui est fort appréciable. Voilà! Oh, et voilà de la vie qui arrive, c'est parfait tout ça. Mais néanmoins. Ouais, il me faut de la vie. C'est parti. Oh, il va full face. Alors ça, je trouve ça assez étonnant. Surtout que ben maintenant, je vais commencer à jouer. Hein. Hop. Reporting for duty. The battle. Voilà, à mon tour de spam le board. Et j'ai pas besoin de régiment de bataille pour spam le board. Ouh, la consec, elle fait mal. Putain, deux consécrations, deux épées, deux régiments de bataille et deux lanceurs de couteaux en moins de 15 cartes. Ce mec est la définition de ce qu'on appelle un gros châteux. Voilà, c'est beau, c'est efficace. Bon bah moi aussi, hein, hop, et maintenant, on va spammer le board. Hop là, voilà. Et on va faire ça au passage. Voilà. Oh, docteur GG. Alors là, on va rire. Oh, Tyrion. Justice demands retribution. The battle. The battle. Last warning. Ouh, putain, mais il est pas malheureux, hein. Moins 4, moins 3. Et voilà comment on spam un board. Boum. Oui, well played. Voilà. Et t'es pas malheureux, mon pépère, hein, parce que franchement, sur son tirage...
Ah d'accord. Gul'dan. Gul'dan, ok. J'espère que c'est pas un Enloch, sinon je suis vraiment dans la merde. Hein. Alors, c'est parti, hein. Bon bah visiblement... Oh oui, c'est un Enloch. Ok, d'accord. Je sais à quoi m'attendre déjà. Putain, direct, ça fait mal. Alors, allez. Oh, intéressant, un Azure Drake avec un, ouais, d'accord, 9 cartes. Parfait, voilà qui m'arrange énormément. Drink with me, friend. Fabricante d'armure, enculé. Oh putain, un dragon. Hein. Comment me débarrasser de ça efficacement? Déjà bien pioché. Oh putain, encore un Azure Drake, mais nom de Dieu! Ah, ça y est, là il y va, il veut pas laisser passer le morceau. 2, 4, voilà. Ah, GG, pas mal. Bon, je suis un peu dans la merde. Malheureusement, ça ne marche pas. Fuck, fuck, fuck. Back to work.
Aïe aïe aïe, je suis dans la merde. Ce deck il est pas fini. Oh GG. 8. Oh Torii-san. Alors ça c'est pas un... c'est pas trop un souci. Oh. Oh là là. Alors OK. Je suis dans la merde. Bon, il a bouffé. Putain, 6 cartes de plus que moi. Il continue de contrôler. Là, il chope de la carte. Putain, si seulement je. Putain. Si seulement je pouvais lui faire bouffer de la carte, mais je peux gérer. J'ai pas les trucs qui vont, quoi. Oh là là. Oh, ça fait mal ça. 2. Bon, il a ce qu'il faut pour contrôler. Ah là 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 là, ça va faire tellement mal quand il va y avoir un Maldigos, je vais me faire ouvrir. Putain, ne sors pas ça. Maldigos ? Maldigos ! Oh là là. Oh. Oh là là, mais... That was an error. Oh le misplay que je viens de faire, j'aurais dû d'abord taper et après mettre là. En fait j'ai enlevé -1/-1 mais c'est à dire que là il peut le prendre facilement. Mais bon de toute façon à 10-10 il a presque plus de cartes, je pense que c'est fini. I wield the power of Black Wing. Quoique non, au final ça aurait rien changé, 3 de dégâts. Par contre là c'est un misplay. Oh. Putain, et ça sort maintenant cette merde là, putain. Bon bah je suis dans la merde, Maligos. Maligos. Oh, on est Nefariant, moi c'est... Ça marche bien aussi, hein. Bon bah je suis dans la merde hein, il a plus que 5 cartes, j'en ai 11. Il a 10 cartes en main, dont 2 sorts à moi. Il y a au moins un dragon sûr. Oh putain, quel enfoiré quoi. Putain, j'ai pas eu les cartes qu'il fallait pour le faire piocher, c'est vraiment dommage quoi. J'ai 2 oracles Murloc dans le deck pour justement empêcher les joueurs comme ça qui piochent énorme, bah qui gardent beaucoup de cartes dans le jeu pour les punir. Et malheureusement, bah là je peux rien faire. Je ne peux strictement rien faire, en plus j'ai vraiment... Bon, il va me finir ou quoi? Oh putain non. Ah ouais, il en est réduit à ça. Ah ouais, parce qu'il a... Ah, c'est bon ça. Allez, fais le... Putain, mais j'ai pas mes cartes qui sortent, mais merde. I'm almost out of cards.
ça y est, il a le top deck. Non, même pas. Alors, 5, 5. Bon, bah, je vais taper aussi fort que je suis bête, hein. Bon, il a plus de cartes. Normalement, c'était la dernière, Maligos. Ah, GG. Ah mais putain, j'ai vraiment un tirage de fils de pute, quoi. Bon, normalement, maintenant, il peut me finir. Il n'y a pas de raison qu'il puisse pas. 10 cartes. S'il peut pas me finir, c'est qu'il y a un souci, quoi. Oh, la chouette, c'est mignon. Ah, intéressant. Taunt. C'est pas bien de jouer avec la nourriture, hein. C'est vraiment bizarre. Vraiment bizarre, je comprends pas. À part me faire perdre mon temps, ce qui est aussi possible. Ah voilà. Tu n'as pas lose, je vois pas comment. Putain, comment jouer ça? 4. Welcome to the Grand Tournament Champion. Thank you.
donc ça va encore se poser, je pense. My hand is too full. That was a mistake. Sorry that happened. Beast in my sight. My eyes are open. Voilà ce que j'attendais. Voilà une baston rentable. J'ai fait esprit de prendre des coups au tour d'avant pour pouvoir la mettre. Il a eu la gentillesse de spam le board. Plutôt efficace. Ouh, Nefarian! Ça, ça pique. J'ai rien pour le deal en plus, le Nefarian. Il va me falloir de la chance. Bon, il a de quoi le deal, je pense. Voilà, Siphon Soul. Oh, mais il récupère des bonnes cartes en plus, tu vois. Il pourrait récupérer des cartes guerriers dégueulasses, mais non, il récupère vraiment du lourd, quoi. Bon, on va spam de l'armure. Quelle saloperie. Oh, 4 en plus, putain, il est pas malheureux, hein. Il est pas malheureux, l'animal, hein.
Bon bah... Oh, un zombie show. Il va me feeder, ça me va. Ah, il casse ta... Ah, ça fait tellement drôle de voir un warlock qui pète son... Le bruit du warlock qui pète son armure, vu qu'ils en ont pas. Plutôt marrant. Ok... Bon, il lui reste plus que 5 cartes dans son deck. Je vais bientôt prendre la tempête de feu avec Maligos. Là, ça va faire vraiment, vraiment très mal. Normalement, j'ai de quoi le deal. Le problème, c'est que je vais sûrement prendre... Oh, d'accord, putain. Il me fait vraiment mal à mon armure, en fait. Il faudrait vraiment que j'ai ma justicière qui arrive. Pour optimiser ça. Oh, putain, bah... Ouf. Allez, je suis un dingue. Oh. Ça, je vais la garder sous la main. Ouh, Shadow Flame. Ça, c'est du vilain misplay, hein. Ouh. Alors, ça, mon pépère. Je vais te faire un petit tour de cochon. Tu vas voir, tu ne vas pas aimer du tout. Alors, j'ai 10 d'armure. Et hop, je lui ai piqué son Torii-san. C'est cadeau. Et je vais le forcer à deal avec son propre Torii-san. Donc il va devoir cramer des cartes pour récupérer sa carte. Ah d'accord. C'est pas mal, hein, ça me fait quand même du 5-4. Une bonne carte sur le board. Ouh, putain, c'est qu'il en... il met le paquet, hein. Alors. Bon, il doit avoir son combo Maligos maintenant. Il n'y a plus qu'une carte dans le deck. Non, pas encore. De toute façon, qu'est-ce que j'ai pour gérer ça? 4, non. Le détruire, non. Fuck. Ok, il a plus de cartes. Normalement, il a son combo. Ça va faire mal. Ouh, Maligos! Ouh, 8! Deuxième Dark Bomb. 16! Oh, il est beau ce deck, j'aime bien. Full face, 9! Oh là là! Ouah! Ça pique, hein? Bon. Dans mon malheur, c'est pas fini. Je vais juste le détruire proprement. Voilà. Ah, j'ai fait un misplay, mais c'est pas grave.
Oui, il est très bien ce deck, hein. C'est juste que bah, bon, j'ai un bon guerrier fatigue et c'est vrai que j'arrive à essayer de garder mon armure suffisamment haute pour encaisser le choc. Mais bon, ça fait 8, 8, 16, 16, ça fait un putain de combo à 20 et quelques. Bon, sur ce, moi je vais arrêter pour ce soir. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous dimanche pour du Age of Empires 2. On va se faire du petit Edge, donc si certains veulent jouer à Edge, bah, c'est le moment de rejoindre. Hein. On va sûrement se faire des grosses games en équipe à 8, 4v4. Vous affronterez la team, hein. Il y aura sûrement 4 Redfish qui sera là, Chou en Bourguignon, Scorpion la Vipère aussi. Et puis bah si des abonnés veulent se joindre à nous, ce sera avec plaisir. Donc je vous dis à ciao ciao, merci d'avoir suivi. Et puis bah rendez-vous dimanche et j'essaierai d'uploader du Darkest Tower, du Sif ce soir ou demain, et du Darkest Tower après-demain ou dans le week-end. À ciao ciao tout le monde.